Je crois que je devrais me percer le nez, ce serait bien. Comment vous allez? Je vais bien. Je vais faire une lecture ici aujourd'hui. Je suis au bord de l'eau. Est-ce que vous m'entendez? Je dois écrire dans le groupe. Dans le groupe de prière, tu as compris? Non, il ne met pas. C'est lui qui veut venir. Viens, vous aimez trop qu'on vous supplie. Même d'abord, vous laissez. And I feel like a barbie. And I feel like I don't want to party. Ok, je vais lancer ma lecture. Bon, on va essayer de voir sur le trépied s'il peut prendre. Je vais faire mon direct à partir d'ici. On va espérer que la connexion donne, parce que hier j'avais une connexion de merde. En fait, hier il voulait pas que je fasse le direct. Good morning, my people. Good morning. How was your night? Ok, on va ranger ça avec le vent de la plage. Si là, j'espère que ça va pas emporter comme mon téléphone. Alright, I think we got some stability here. Wow, let's get this right. Bonjour. Ok. Je vais y aller au pif et je vais voir ce qu'on me montre. Voilà. Mais les deux premières choses qu'on m'a données ce matin, ça va pas tenir. Oh là là. Les téléphones, donc je vais tenir avec la main. Mais les deux premières choses. Intense, ok. Blanchissez-moi les pieds. Regardez, c'est fait comme ça. Mon téléphone tombe dans l'eau. L'eau salée pour le téléphone, c'est la mort. C'est comme si on te poignardait ou si tu buvais la soude. Ok, on y va. Donc, je vais essayer de ne pas me distraire. Tu es sous attaque intense et beaucoup d'entre vous. Marche. And I feel like a Barbie.
En fait, tu es une déesse ancienne. Et tu as beaucoup de pouvoirs qui viennent de l'eau. Et ta famille a toujours eu peur de qui tu vas devenir. Ils ont toujours eu peur du résultat de ta vie. Et dans le passé, il y en a dans ta famille qui ont pris ton pouvoir. Et tu as aussi été très entouré de Decepticons. Tu as eu les Tanticons et les Papaticons là. Donc au lieu d'aller peut-être aider à lire ton énergie pour t'aider, ils sont plutôt allés lire ton énergie pour te bloquer. Donc, tu as passé une longue période où on a bloqué beaucoup de tes mariages. Et jusqu'à un certain âge, jusqu'à avant 35 ans, tu te disais toujours que ta vie n'est pas normale. Tu te demandais toujours, ah, est-ce que je suis même venu seulement accompagner les gens sur la terre? Non. Le message que j'ai pour toi, c'est que tu as déjà fait tellement de travail spirituel sur toi. Tu as déjà fait tellement de travail spirituel sur toi. Tu as déjà tellement... et ce travail, je sais que vous négligez. Mais quand vous êtes tombé sur ma page, je vous ai dit au début, peut-être vous n'avez pas suivi. J'ai été envoyé pour activer les gens. C'est ma mission là-bas. Donc, si tu m'écoutes encore passivement, c'est ça que vous voyez souvent, je chasse les gens de ma page. Ce matin, quand j'y pensais encore, je me suis dit, les réseaux sociaux veulent qu'on supplie les gens, mais moi, je n'ai pas cette attitude-là. Je ne sais pas supplier les gens pour quelque chose. Même quand on dit que quand, pour une femme, en tant que femme, pour qu'un homme te donne, il faut que tu demandes, que tu fais web, I don't do that. Est-ce qu'il y a cette femme indépendante à l'intérieur de moi là? J'ai l'impression qu'une reine. Une reine, you know, she doesn't beg. Et il y a beaucoup de choses qui sont ancrées dans ton âme. L'âme de quelqu'un, c'est un peu comme si, je vais vous donner un exemple. C'est un peu comme si tu grandis dans une famille. Ok? Tout le monde est malhonnête. Comme ce genre de famille-là, non. Le père, c'est un mafiosa. La fille, c'est une mafiosa. Le fils, c'est un mafiosa. La même, alors, c'est la chef des mafiosas. Ils se font ça entre eux et ils font ça aux gens dehors. Donc, quand tu pars pour te plaindre, tu vois que le père lui-même fait les problèmes à sa femme. Le père trompe sa femme. Tu te dis que, gars, si l'homme fait ça à sa femme, combien de fois, moi? Tu laisses seulement, tu parles. Donc tu as grandi dans ce genre de famille, mais toi ton âme est différente. Ce qui fait qu'en grandissant, on ne t'avait jamais montré comment faire le bien. Ou comment bien faire quelque chose. Mais l'instant ou le jour où tu as vu tu t'es dit, this is what I want. Peut-être tu as grandi dans la pauvreté, mais l'instant où tu as vu quelqu'un passer avec la Cadillac et une grosse voiture, tu as senti que I was born for this car, man. Je suis né pour la voiture ici. Je suis fait pour être dans la voiture ici. L'instant où tu es entré, je suis entré dans la Bentley pour la première fois de ma vie. Quand j'avais 21 ans et quelques mois. C'était une expérience. Le jour où je vais acheter ma première Bentley, vous verrez. Je savais que ça c'est mon genre de voiture là-bas. I just knew it. Donc tu as peut-être grandi avec une famille qui est dans la pauvreté. Il t'a tenu la main, Monique. Je suppose que tu n'es jamais venu pour que je travaille sur toi. Je suppose que tu n'as jamais acheté un de mes produits. Hey, 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 hey.
ne vous forcerai même pas à acheter mes produits. Vous suivez, n'achetez pas. Hein. Ah, quand tu as trop confiance en ce que tu fais. Chaque fois que je supplie un client, j'ai regretté par la suite. Chaque fois que c'est moi qui ai supplié un client, j'ai regretté amèrement. Il y a des choses qui sont en train de se réveiller en toi. Il y a des choses qui sont en train de surgir. Et on me dit de te dire que ce n'est pas parce que depuis que tu es né, on ne t'a jamais dit qui tu es, que tu n'es pas ce que tu es. La reine Emmanuelle, depuis que tu as commencé ton kit, ta vision s'élargit, ton sommeil est plus paisible. That is beautiful. Je suis en direct, ma fille. Ta soeur dort encore, non? Là-bas chez eux, il est encore là, c'est la nuit. Il doit être 2 heures là-bas. À tout à l'heure. On va faire les cartes. Donc ton message d'aujourd'hui, c'est que tu es en pleine bataille et oh my god, une carte assez envolée carrément. Attendez, je vais voir ce que ça dit. Ton ADN est en train d'être upgrade. Vu vos pouvoirs depuis le début, ils savent de quoi tu es capable. Oui, salissez-moi bien, mais salissez-moi. Okay. Ah, ah. Waouh, ils m'ont envoyé une deuxième plume. J'ai vu une plume à la plage ce matin, et voilà la deuxième plume qu'ils m'envoient. Salissez-moi bien, même. Donc, ton pouvoir intimide beaucoup les gens de ta famille. Et il y a aussi quelqu'un ici qu'on ferme. Quand tu étais petit, on fermait trop ta bouche. On t'empêchait beaucoup de parler. Et ou bien quand tu. Même dans le forum actuellement, votre forum familial, quand tu dis ta chose, dans le forum là, tu avais les oncles, les tantes. Quand tu dis ta chose, on néglige. En fait, c'est pour te frustrer. Tu es un guide. Il y en a dans ta famille qui savent que on leur a même dit qu'ils doivent venir à toi. Ils doivent venir à toi. Que tu leur imposes les mots. Chalin, je vais te bloquer. On ne demande pas ici. Je ne veux pas d'explication. Les lectures sont payantes en inbox. Je suis à la plage aujourd'hui. Je ne lis personne en particulier. Ta famille connaît exactement qui tu es. Pas ta mère. Hein. Pas ta mère. Bon, tu veux la lecture, il faut payer. Paye ma chérie. Envoie le, fais le transfert d'argent. Ceux qui veulent la lecture, fais le transfert, vous m'écrivez en inbox. Beaucoup d'entre vous, je vous connais déjà, donc vous m'avez mon inbox. Fais le transfert, tu me dis, je vais te lire pendant que je lis tout le monde.
beaucoup de personnes dans ta famille, quand ils sont allés chercher par rapport à ton aura, on leur a dit que toi, tu es la personne qui va les aider. Il y a même des femmes dans ta famille, elles savent que si tu viens rester chez elles pendant un temps, elles vont accoucher. Je crois que quand tu étais petite, tu as même donné l'enfant à deux ou trois personnes dans ta famille. Et tu as une puissance que toi-même, tu ne connais pas encore. Maintenant, tu es en train d'atteindre une promotion. Et cette promotion se prépare depuis. C'est quelque chose que tu es censé avoir depuis que tu as 25 ans. En fait, je vois particulièrement une femme qui a fait beaucoup de business. Tous ont échoué. À chaque fois, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te bloque. Finalement, tu fermes la porte et tu abandonnes. Ma chérie, mets la bouteille dans l'autre sens. Tourne la bouteille dans l'autre sens, sinon tu ne peux pas ramasser de l'eau. Tu dois mettre la bouteille dans l'autre sens, ok? Quand tu mets comme ça, ça se verse. Alors que quand tu mets de l'autre côté. Voilà, tu as vu? Voilà, comme ça. Non, pas comme ça. Voilà, quand ça vient, tu fais comme ça. Petit physique en train de m'amuser. Elle veut ramasser l'eau de la plage. Oh God. Bonjour, bonjour. Donc, tu as été. Tu as commencé beaucoup de business. Et ces business ont échoué. Tu as une accumulation d'énergie en toi qui fait que tu es censé normalement avoir beaucoup d'argent maintenant. Maintenant, dans le spirituel, ton argent est en train de se préparer. Ils sont en train de te connecter à des concepts qui vont te changer. Changer ta vie. Mais en même temps, je lis toujours la carte de la promotion. En même temps, il y a des personnes qui ont vu. Et quand ils te voient depuis quelques jours, ils voient ton énergie. Ils savent que la femme, si là, c'est comme si elle était devenue riche. Ils le sentent. Et j'ai beaucoup parlé de couronnement depuis le mois de février. Vous avez vu, on m'a couronné l'autre jour. C'était le 1er juillet. C'est fou comme coïncidence. Le prêtre là, ok, tu as payé, j'ai vu le transfert. D'accord. Le prêtre là, on ne s'était entendu sur rien. En fait, c'est l'autre, le chercheur de vérité qui était censé venir, le Monseigneur Efoudébé. C'est lui que j'ai invité. Et à la dernière minute, il m'a dit qu'il sent qu'il doit venir avec un de ses fils. Fils arrive, après maintenant quand ils finissent, ils disent que bon, on va prier pour toi. Absolument rien, on n'avait rien prévu. Il prie, puis il porte l'huile, il commence à m'inverser sur ma tête. Et c'est après qu'il dit que, en fait, parce qu'avant de commencer le service, l'évêque lui avait dit, si tu as n'importe quoi que tu sens, fais seulement. Chercher comme dit, nous ont fait la grâce que internet passe aujourd'hui. Je vais mettre le power bank.
je dis mes choses. Je demande à acheter vos kits couronnement. Tu ne peux pas être spirituel, tu es chiche, ma chérie. Tu as compris? Calé avec votre argent. Quand vous pensez que. Moi, je vous dis tout que j'ai mes saisons. Je suis en train d'entrer dans la saison où je vais même plus consulter les gens. Je suis en train d'entrer dans. Vous avez remarqué que ce n'est plus moi qui lis mes messages, c'est la secrétaire. Donc, je vais entrer dans une autre saison où vous n'aurez plus mon numéro privé. Donc, tu vas faire n'importe comment. Tu vas seulement payer la secrétaire là-bas avant d'attendre pour me voir. Moi, j'avais trop pris pour acquis. Donc. Ok. Lire les cartes à la plage, c'est pas évident. Toi qui as payé pour ta lecture là, j'espère que tu es connecté. Regardez-moi là, regardez l'écouteur. Je suis en train de tenir le téléphone. Je croyais que le téléphone allait tenir seul, mais. 10 téléphones, il est plein mieux. Donc, ta première carte que je tire, c'est la suivante. Tu as pris du retard. Tes guides me disent de te dire que tu as pris du retard dans beaucoup de choses. Et il y a des gens qui savent. Monsieur, c'est pour rentrer avec? Oui. Lancez une pièce dans l'eau d'abord. Vous lancez une pièce dans l'eau d'abord. Oui. D'accord, lancez avant de prendre l'eau pour partir avec. Donc, tu as pris beaucoup de retard. Tu as pris du retard. Et ce retard, c'était pas ta faute en fait. Ce retard, c'était pas ta faute. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont organisé, comme on dit là. Qui t'ont organisé. Tu as un sang très puissant. En fait, tu as une onction qui est en train de s'activer. Et c'est le genre d'onction que c'est ta deuxième carte. C'est le genre d'onction qui. Ça va briser d'abord tes propres chaînes. Tu vois, Samson. Un moment dans le spirituel, comme si tu es comme Samson. C'est pour ça d'ailleurs que tu as coupé tes cheveux à un moment. Donc, tu as de la puissance dans tes cheveux qui va repousser. Donc, et quand je vois cette puissance-là, c'est le genre. Tu casses les chaînes qui te bloquaient et. Autour de toi. Je sais que tu doutes beaucoup de toi. Hein. Toi qui es en train de faire ta lecture là, tu doutes beaucoup de toi. Donc je sais que tu vas écouter ceci, après tu vas dire, hey, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Bon, on va prendre la prochaine carte pour voir ce qu'ils te disent. Waouh, tu étais toujours là. Le mouton noir de la famille. Tu étais le mouton noir de la famille. Oh, je suis en train de te lire et il m'envoie une vague d'eau pour toi. Tu es aussi une femme de l'eau. La formation sur les sirènes là, est-ce que tu as pris ça? Me disent qu'il y a beaucoup de choses que tu dois faire pour t'équiper. Plus tu prends de formation et de lecture comme ça, plus tu apprends qui tu es. Tu étais comme le mouton noir, la personne qui était toujours, si les gens voulaient attaquer quelqu'un dans ta famille, c'était toujours toi qu'on cherche. Et au départ, tu ne comprenais pas pourquoi. Mais maintenant, ton énergie est en train de shifter. Ton animal protecteur, c'est un pigeon blanc. On me dit de dire c'est un pigeon blanc. Voilà. Donc je suppose que tu as lu. Tu as payé 10 000 francs, je pense. Si c'est plus, tu me dis. Mais je t'ai fait une lecture pour 10 000 francs. Donc on continue ce qu'on faisait. Et voilà aussi une personne ici que tu as. Je parlais de ta promotion financière. Et cette promotion est vue.
Les gens de ta famille savent, ils savent qui tu es. En fait, tu es le genre de personne que tu... Parfois, tu ouvres même un business au milieu d'autres personnes. Et ceux qui ont plus d'argent que toi et qui ont un business qui boum, ils viennent voir ton concept, ils disent waouh, waouh, oh my god, comment envoyer la mousse, pourquoi ne me touche pas, je veux pas la mousse. Et ces personnes t'admirent, les personnes très riches t'admirent, mais le blocage que tu as vient de ta famille. Ce sont tes gens qui t'ont. Maintenant, la carte aussi que je tire, c'est la carte du chaman. Tu es quelqu'un qui est connecté aux astres. Tu es intensément connecté aux astres. Et avant, tu étais influencé par ton entourage. Beaucoup sous-estimé. On t'a beaucoup sous-estimé. Et les personnes qui t'ont sous-estimé, elles connaissent ton pouvoir, mais elles se sont dit que ah, depuis qu'on sait qu'elle a le pouvoir, là, elle n'a rien fait avec. Ce n'est pas en 2023 qu'elle va faire. Ah, pardon, laissez-nous ça. Oui, on sait que la vie, c'est à l'onction. On sait. On sait qu'elle a l'onction, non. Ça ne donne rien depuis. Ça fait 25 ans. Ça fait 15 ans qu'elle part à l'église. On t'a sous-estimé. Mais tu cherchais tellement la direction. Et je reçois ici là pour quelqu'un que tu dois remercier tes ex. Attendez, je sors ma cloche. Hey Bobby. Hey Bobby. Boum boum boum. And I feel like a Barbie. And I feel like I don't want to party. Voilà, écoute un peu la cloche ici. Wow, quand je suis au bord de l'eau là, le vent absorbe le son là. Tu es en train de traverser des étapes comme un portail. Tu es en pleine consécration spirituelle. Et tu vas rencontrer des personnes qui vont t'adorer. Des personnes qui vont te faire, qui vont t'appeler reine. Tu les rencontres, tu dis oui, je suis la reine telle. J'aurais même l'impression parfois qu'il t'adore, je sais pas comment, qu'il te vénère. On me dit de te dire de ne pas te sentir mal avec ça. Queen of Sheba, she was so beautiful. Ta beauté est en train de ressortir et c'est une beauté que tu vas protéger. Parce que dans ton ancien boulot ou le boulot que tu as actuellement, tu vas le quitter bientôt. Généralement, on te dit que tu es trop belle pour être ici. Une femme qui éclaire beaucoup son lieu de travail. Éclaire beaucoup ton lieu de travail. Bonjour à vous. Tu éclaires beaucoup ton lieu de travail. Et souvent tu restes dans ça, tu dis que l'endroit ci ne me mérite pas. Par la foi, tu dois partir de là.
Voilà. La prochaine carte, on me donne aussi un message pour toi. Tu es dans une saison où tu vas trouver l'argent que tu avais perdu. Donc, souvent, tu avais déposé l'argent quelque part, tu ne savais même pas que tu as gardé l'argent là-bas. Maintenant, tu vas trouver certains argent, ok? Like, you know, you're just going to find it out. Et c'est, en fait, tu es en train d'entrer dans une saison de restauration financière. Restauration financière. Bonjour Linda. Mon voile veut s'envoler. Where are you going? You ain't leaving me. Donc la prochaine carte, ils veulent qu'on tire. Une personne ici, tu viens de traverser une période de nuit noire de l'âme. Une période de nuit noire de l'âme très intense. Et on me dit de te dire que it's like you're shedding some skin. Cette nuit noire de l'âme, c'est, tu vois, dépression très intense. Et hier là, tu étais en train de sortir de la dépression là. TikTok, est-ce que vous me suivez bien? Champagne de luxe. Ah, j'aime ce nom là. J'aime le mot luxe. Je vais bien. J'ai bien dormi. Donc cette dépression intense, nuit noire de l'âme intense que tu as traversée, ça montre en fait que tu as déjà validé certains UV. The test. Tu as passé le test. Envoie-moi 300 francs pour les frais de retrait. On ne me fait pas le transfert sans mettre mes frais de retrait. Ta lecture sera intéressante, ma chérie. Oh my God! Why are you surrounding me? Tu es une sirène, j'ai toujours dit ça. Tu es d'abord trop belle pour être... Tu es une sirène. Jesus! Tu as écouté mon voice, je viens de faire un voice. Jesus, ton énergie est en train d'envahir l'espace. You know, I feel like a Barbie. And I feel like I don't want to party. Bon, vous devez connaître qui vous êtes. Oh, it's very important. Oh, je vais très bien. Bonjour, tu écris, qu'est-ce que tu veux s'il te plaît? On ne fait pas les bonjour, 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 bonjour. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux s'il te plaît? Tu veux quel produit? Tu veux un lavage? Tu veux une consultation? Consultation, j'en fais même plus. Ou bien tu veux des produits? Voilà, soyez direct dans vos choses. Bon. Je vais faire la lecture de cette jeune dame. Bon, qu'est-ce qu'on demande pour toi? Oh ah! Ton nom a du pouvoir. Envoie mes 300 francs de frais de retrait. Ton nom a du pouvoir. Ok? Tu es quelqu'une que... je ne sais pas si tu avais voulu faire du mannequinat quand tu étais jeune. Je ne sais pas, je te vois en train de défiler ou bien... vêtements de mode, de luxe. Sera connu dans un domaine, je pense peut-être ce domaine là, le domaine de la mode, si tu te lances bien sûr. Tu vas aussi recevoir l'aide d'une personne, quelqu'un va venir, soit la personne va t'aider à avoir confiance en qui tu es, soit la personne va t'apporter du financement, de l'encouragement. Je sais pas, pourquoi tu peux rencontrer quelqu'un et like you know, tu te demandes même pas pourquoi tu fais ça, pourquoi. Mais il fait seulement. Tu vois un peu, non? Voilà. Et ça va te propulser, ça va t'aider à être vraiment... on me dit que tu as souvent des rêves, tu fais souvent des rêves prophétiques. Que tu es tellement puissante que parfois tu n'as pas besoin qu'on prophétise sur toi. Toi-même, tu vois ton futur dans les rêves. Wouhou! Les membres de ta famille sont méchants. Oh, oh.
Voilà. Tu as les membres de ta famille qui t'ont fait du mal. Peut-être de papa, ouais. Peut-être maman ou bien une personne, figure maternelle. Mais tu es dans ta famille avec des personnes que tu as beaucoup aimées et ils t'ont fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Tu as des yeux qui sont électrifiants. Voilà. Je te vois dans le spirituel, tu apprivoises les gens avec des yeux. Ne prends pas ça mal, mais tu as les yeux. Tes yeux sont un peu comme les yeux des reptiliens. Les reptiliens. Le serpent apprivoise avec ses yeux. Voilà. Tu as cette capacité-là. Utilise ça à ton avantage. Ben moi, juste pour la petite histoire, quand moi j'étais jeune, on se moquait beaucoup de moi. On disait que j'avais les gros yeux. Ok? Voilà les gros yeux. Vous savez ce que je fais avec mes yeux maintenant? Vous savez, c'est pas tout le monde qui mérite de regarder dans mes yeux. Médusa, c'est pas tout le monde qui avait l'honneur de regarder dans ses yeux. Voilà. Quand vous lisez l'histoire de Médusa, Médusa n'était pas méchante. Hein. C'est les dessins animés qui l'ont rendue méchante dans notre esprit. Mais Médusa, c'était une belle femme, très belle. Pieuse. Ouais. Qui a été victime de viol de la part d'un dieu. Et la sœur du dieu qui était jalouse. Elle adorait cette déesse d'ailleurs. Elle a puni en la rendant laide et en mettant des serpents sur sa tête. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on me fait raconter l'histoire de Médusa la fille. Ok, en tout cas, voilà ça. Il faut beaucoup moins de l'huile de blindage sur lui, pardon. Tu avais payé les lectures de cartes pour combien? And I feel like a Barbie. And I feel like I don't want a 40. Woohoo! Oh my gosh! Regardez-moi ça. Bonjour! Je suis avec les pieds dans l'eau. Regardez. Voilà, par là-bas. And I feel like a party. And I feel like I don't want a party. Tu m'as fait le PayPal de combien? Tu as fait le PayPal de combien? Payez mon argent, vous mettez toujours les frais dessus. Si c'est 15 euros, vous donnez 16 euros. 30 euros, tu donnes 32 euros. Voilà. And I feel like I don't want to spend. But oh my God, ma carte, tu vas où toi? Oh non, 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 tu vas revenir ici. Non, c'est la carte de quoi comme ça? Ma carte est en train de partir dans la mer. Oh non. Ah là, voilà, là-bas. Non, 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 je t'attrape toi, tu pars pas. Voilà en train de bagarrer. Mais les sirènes, c'est là, vous voulez ma carte? C'est quoi avec vous? C'est la carte de l'autre là que j'ai tiré tout à l'heure. Bon, je dois vous parler de cette carte ici alors. Mais tu veux t'envoler, tu es folle. Fou la même, je suis pas venue jouer aujourd'hui. Je suis pas venue ici là pour lire les cartes des gens, non? C'est pas marrant. C'est pas marrant. Les gens de l'eau sont très marrants, hein. Ce sont des gens qui sont très marrants. Malheureusement, on les voit très mal. Ils ont un sens de l'humour incroyable. Ok, bon. Bon. Celle qui a envoyé 50 euros là. Tu as envoyé 50 euros pourquoi, ma chérie? Tell me, please. Bon, est-ce que tu as envoyé sur les sous que tu avais envoyé, je sais pas, au Cameroun là? C'est déjà ça, c'est ça? Ne prenez plus mes cartes, moi je vous dis, vous m'avez à mouiller, hein? You didn't mouille me, now you don't want to take my card. Donne-moi ton prénom s'il te plaît, si tu peux envoyer ta photo c'est super, si tu peux pas c'est pas grave. Bon. Bon, on va lire la femme c'est d'abord. Non, 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 ils me disent que je dois vous parler de ceci. La carte qu'ils voulaient prendre là. You got my card wet, come on. Bon, cette carte qu'ils ont voulu prendre, ça dit ceci. Vous avez pris du retard. Beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous avez beaucoup attendu. Et vous me suivez depuis, hein, même comme ça là. Maëlys, je vais te coxer. Même quand vous me suivez depuis des mois,
En fait, ça m'énerve quand quelqu'un me dit je te suis depuis un an. Et je dis c'est maintenant que tu me contactes. Sérieux? Like, what were you waiting for? Tu attendais quoi? Donc, là, ce qui se passe, c'est quoi? Tu as pris beaucoup de retard et. Ok, on me dit de te dire que ce n'est même pas le qui fait. Mais moi, je te dis que ce n'est pas une excuse. En fait, dans ta famille, quand tu grandissais, il y a une sorte de malédiction familiale qui fait que vos pouvoirs ne s'activent pas. Donc, ta mère n'a pas pu activer ses pouvoirs. Et toi, tu étais prédestiné pour ne pas activer les tiens. Prédestiné pour ne pas activer tes pouvoirs. Et je te vois dans un état d'inertie où on te bloque, on te met dans un pays pour que tu fasses quelque chose de particulier. Et c'est pas comme si tu te bloques dans le pays là en fait, je sais pas. Tu dis que j'attends ma carte de séjour, j'attends, et en fait c'était un plan de l'ennemi. C'était un plan de l'ennemi. Parce que tu n'étais pas censé attendre. Oh my gosh, ça fait tellement de bien d'avoir les pieds dans l'eau. Oh Seigneur Jésus, merci. Financiers n'ont pas fonctionné comme tu voulais. Ce retard a été organisé par l'ennemi. Je te vois dans un endroit, tu attends. Et à cet instant, comme tu écoutes ceci, c'est un peu comme s'ils sont en train de déposer sur toi la grâce de te rendre compte que tu es délivré. Tu vois, tu dis, ah, j'attendais mon coup ici. C'est un peu comme si on est en train de te désenvoûter en fait. Voilà. Donc, je vais sonner cette cloche. Tu es très protégé. Je vais en fait me dire ça depuis de vous dire. Et depuis un an, ceux qui m'ont suivi et qui ont fait tous les rituels que j'ai fait avec vous, vous étiez progressivement en train de vous désenvoûter. Vous suivez, non? Toi, certains étaient manipulés par des cloches. Il y avait des cloches maléfiques. On avait mis ta photo dans l'endroit d'un praticien. Et à chaque fois qu'il sonnait la cloche, ça t'attachait. Quand la personne venait sur tes réseaux sociaux, elle voit que tu es en train de te détacher, déjà tu avances un peu. Elle appelle là-bas. On sonne encore la cloche. Tac, tes choses tombent. Et voilà, on t'a aussi très souvent empêché d'avoir une bonne main d'œuvre. C'est cette année que tu as demandé à tes guides, une personne qui devait t'aider à activer tes dons. C'est comme ça que par magie, le même soir tu tombes sur mon TikTok, alors que tu me cherchais depuis 2 ans. Parfois, vous pensez que vous n'êtes pas dans la bataille spirituelle. Hein? Ce n'est pas la blague. Hey, souvent, j'ai envie de vous gifler à distance. J'avais fait l'application qui gifle les gens, je vous assure. Si un jour tu te connectes comme ça, là, tu montes tes gifles à travers le téléphone. C'est que peut-être j'ai mis l'application là, dans ton téléphone la nuit. Oui. En slapant, il dit que mouf. Le bruit de ça, ça sort comme mouf. Toi, et tes gifles. Allez, réveillez-vous. Beaucoup parmi vous, vous êtes... les sirènes me disent qu'elles viennent souvent sur le bois s'y rester. Le bois s'y est très bien positionné. C'est à mi-chemin entre... Je suis devant le lycée Léon-Bas. Voilà le lycée Léon-Bas.
bas, le lycée Lyon bas. Voici la plage. Et là, je suis ici, vraiment à mi-chemin. Voilà. Donc, je vais lire ceux qui ont payé là en inbox. Attendez, on cherche vos numéros. And I feel like a Barbie. And I feel like I don't want to party. Hey, Mickey, Mickey, Barbie. Think Barbie dress. Hey. Oh, j'ai envie de danser. Il ne faut pas t'envoyer de nuit. I'm a party, party, like a Barbie, Barbie. Yeah! Je ne suis pas seul dans ma tête. Mais je m'en fous de tout le reste. And I feel like I don't want to rest. Il y a une sirène qui est en train de me faire rire ici là. Il y a une sirène du riz qui est en train de se là. C'est qui? Elle aime la fête. Oh my god! Elle a fait la que Barbie. Oh my god! Ma chérie, je peux commencer mon direct, c'est quoi? Ah, c'est toi, hein? Et effectivement, ça commence quand je suis dans ton truc pour te lire. Ok, je commence alors. Vraiment, mon travail, c'est là, hein? Hey, Seigneur Jésus, hey! J'ai la carte des sirènes qui sort. Première carte, hey, Seigneur, faut t'arrêter, ne vous amusez plus avec moi. Atlantis. Je suis en train de lire cette fois. Oh, Seigneur. Oh, oh my gosh. Oh, je n'ai pas fait des trucs comme ça devant la caméra. Vous croyez toujours que la fesse, c'est le hasard, hein? Ah. Aïe, aïe, aïe. Quand tu vas voir ta Ferrari, ta Lamborghini, ta Bentley garée devant ta porte, tu vas dire que, hey, c'est pas la blague, hein. La fesse là, c'est pas la blague, hein. Blague. Blague. Hey, blague, oh. Quand la reine aussi parle ces choses, hey, hey, tu sais, ma reine. Blague. Bon. Tu es un soldat de lumière. Tu es un soldat de lumière. Pour ton anniversaire, tu es en train de recevoir une ascension. Tu es en train de recevoir une ascension. Je vois une ascension pour toi. Il faut faire une offrande à l'eau. Si tu peux le demain, tu vas faire ça. Ils vont faire la fête à ton honneur là-bas dedans. Tu es un soldat de lumière. Ok? Parle à ton fils. Parle à ton fils. Quand tu vas faire l'offrande à l'eau demain, parle-lui. Gronde-le même. Tu dis que mais tu attends quoi depuis? Hein? C'est un garçon très... ce sera un garçon. Il est très... je le vois, il tient ta main. C'est un peu comme si c'est une flamme jumelle avec laquelle tu as travaillé dans le passé. Ou bien tu as été, je sais pas. Vous êtes connu dans le passé, donc il va revenir à travers toi. Hey! Les ennemis. Ouh! Tu as beaucoup d'ennemis, mamie. On me montre que ta situation là, c'était les ennemis, 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 ennemis. Ouh! 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 Mais tu aimes trop la fête, c'est quoi? Oh my gosh! Tout, tu veux seulement parler pour la musique avec pour danser. Oh Seigneur, mon cœur, si vous savez, mon cœur est en train de se dilater actuellement. C'est comme si j'ai bu le whisky. Ok. Voilà. Je dois te faire un nettoyage énergétique à distance. C'est comme si je sens un truc dans ton ventre. Je sens comme un bâton. C'est un bâton, quelque chose de long et de dur. On a déposé dans ton ventre. Oui. Waouh.
Pink Barbie Dream House. Yes. Oh, tu as du sang ancien. Et ce sang est en train de revenir, de s'activer. Tu es en mutation, en fait. Tu es en mutation. Ouais, on me dit aussi de te dire que l'argent, tu as beaucoup. Faut faire un salaka. Je sais pas. Farote. Voilà, on me dit de faroter. Comme si tu étais riche. C'est fou, mais bon, c'est ce qu'on me dit de te dire. Tu as aussi l'argent qui est en train de qui va faire refaire surface énormément. Il y a beaucoup de... Tu vas découvrir, certains de tes ennemis, tu vas découvrir leurs secrets. Like, you know, les choses qu'on a fait, on t'a caché, ça va remonter à la surface. Et tu es aussi quelqu'un que tu vas découvrir certaines lois spirituelles, certaines choses spirituelles qui sont cachées. Et tu vas les découvrir, ça va te permettre de guider d'autres personnes et ça va aussi t'apporter beaucoup d'argent. Ça va t'apporter de l'argent, ok? And I feel like a Barbie, and I feel like I don't want to party. Ah, tu as déjà créé une marque. D'accord. Tu dois être sur les réseaux. Tu vois comme tu es belle là, non? Tu dois être sur les réseaux sociaux. Bonjour, bonjour. Milan, bonjour. Solange, bonjour. Claire, Clarem. Donc, tu dois être sur les réseaux sociaux. Ne te cache plus. Tu as une énergie qui attire beaucoup. Tu as comme 7 étoiles sur la tête. Tu as 7 couronnes sur la tête. Et tu as un niveau spirituel très élevé. You are highly ranked in the spiritual world. Highly ranked. Beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous êtes des, vous avez une puissance spirituelle très élevée. Maintenant, vous devez comprendre que, ma chérie, je sens dans ton côté gauche, en bas là, dans tes trompes, il y a quelque chose. Quand on va faire la consultation, il faut que je dois te faire une consultation énergétique. Il faut que tu me parles, tu me rappelles ça, s'il te plaît. Côté gauche, même la main déjà maintenant, je retire cela au nom de Jésus. Je retire tout dépôt qui a été fait. Voilà. Et les trompes sont couchées. Beaucoup d'entre vous, vous me suivez et puis vous êtes très puissante. D'ailleurs, je suis l'une des rares pages que vous pouvez regarder longtemps. On a voulu t'amener sur une mauvaise voie, c'est-à-dire tu as fait des choses pour plaire aux gens. J'ai la carte de la mauvaise voie. Maintenant, ils me disent que... Hey, mon bouton a disparu. Yeah, bouton. Excusez-moi, je regarde mon bouton. Il y a un amoureux là qui m'aimait et puis il venait me donner un gros bouton comme ça là. Vraiment. Il me de l'argent, tu me donnes le bouton qui fait quoi avec. Bon, continuons. On t'a voulu te mettre sur la mauvaise voie. Donc des personnes qui t'ont beaucoup intimidé pour que tu suives ce que ces personnes voulaient pour toi. Et à chaque fois que tu te tournais, tu voulais faire ce que tu as vraiment envie de faire. Je sentais comment tu les intimidais. Donc, je sens comment tu les intimidais. Et donc leur combat était toujours de te faire ne pas aller. Oh my God, ne tente pas de partir quelque part. Ne tente même pas. Tu tentes de partir, toi et moi. Écarte les cartes là. Voilà, on me redit de te dire que tu dois aller en ligne. Tu dois aller en ligne. Tu dois être en ligne. Tu dois être sur les réseaux sociaux. Parfois aussi, hein, certains d'entre vous, vous n'obéissez pas. Vous avez une mission, ils vous ont demandé de faire certaines choses, vous n'avez pas fait. Et tant que vous ne faites pas, vous ne pouvez pas avoir l'épanouissement que vous êtes censé avoir. Tu es aussi une empathe. TikTok, si tu fais TikTok, TikTok ça va aller plus vite, ça va boomer. Empathe, tu es une empathe. Il y a beaucoup de sirènes en ligne actuellement. Hein. Beaucoup de sirènes sont... L'amour est fini, le bouton est parti. Non. Il voulait que je le remarque. C'est tout. Il voulait que je le remarque. Tu sais que les femmes comme moi, on intimide beaucoup les hommes. Hein. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas lequel des deux. Quand un homme vient devant toi, là, même si son cœur bat... Et c'est après que j'ai su que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont amoureux de moi. Tu vois un homme bien comme ça, il te voit, tu es avec ton mari. Seigneur, bénis ce foyer. Il faut que les gens se séparent. Seigneur, bénis ce foyer. Il faut que l'homme se la quitte sa femme. Seigneur, je prie que tu bénisses ce foyer. Bénis la reine, bénis son mari. Il faut qu'il se sépare. Tu vois, il croit que si vous vous séparez, il va avoir sa chance. Donc, tu es une empathe, ok? Tu es une empathe.
tu as aussi une entreprise que tu vas construire et ce que tu es en train de commencer là, tu vas faire ça avec d'autres personnes, peut-être ton mari, peut-être tes enfants, peut-être c'est quelque chose que soit ta famille spirituelle, tu vas attirer des gens. C'est maintenant que je sais que c'est possible d'attirer sa famille spirituelle. Je ne vais pas vous mentir, j'ai des personnes incroyables qui travaillent avec moi. Incroyable, vraiment. C'est comme si on est en symbiose, c'est comme si on est, je ne sais même pas. Je commence les phrases, ils finissent, ils commencent et ils finissent. En passant, je vais lancer des formations pour que les femmes lancent leur TikTok. Vous savez que j'aime l'argent, non? Vous me payez, je vous coach pour TikTok. Je crois que mes 200 000 abonnés, ça me donne quand même le droit, non? N'est-ce pas? Ça me donne quand même le droit d'enseigner maintenant, non? N'est-ce pas? And I feel like a Barbie. And I feel like I don't want to party. Bon, celles qui veulent cela, vous allez préparer 1500 euros. C'est pas la blague. Je veux vous aider à construire votre marque. Parce que tu as besoin, on ne va pas sur TikTok seulement comme ça. Là. Les abonnés, on ne mange pas les abonnés. On ne mange pas les abonnés. Je vous dis souvent, c'est vrai que c'est insolent, mais bon. TikTok, Facebook ne me paye pas parce que j'ai des abonnés. Hey! Les gens, si me tentent avec les cartes qui ne veulent que s'enfuit là. Wow! Et sur cela, il parle les patois. Bon, comme j'ai dit là, ok? Les cartes à la plage, c'est un problème. Bon. Vous devez préparer 1500 euros. J'explique. Quand tu te mets en ligne, je ne sais pas pourquoi je suis encore en train de te parler. Non, il y a trop d'esprit ici, là, mamie. Tu as bien vu. Les enseignements que je vous donnerai, tu vas commencer pour cibler et faire de l'argent. On ne paie pas le temps. C'est pour ça que depuis un an, 5 ans, tu as ta page, tu ne fais rien avec. Parce que tu ne connais pas comment on utilise ça pour se faire de l'argent. Les gens sont en train de devenir millionnaires en la devise que tu veux. Si c'est CFAO, millionnaire. Si c'est euro, millionnaire. Avec les réseaux sociaux. Tu es là, tu pars dans le 9-5 tous les jours. Mon arrivée, madame. Au revoir, madame. Donc, 1500 euros, c'est 1 million de francs CFA. Payable en 3 fois, s'il vous plaît. Non, une fois même. Une fois, soyez réglo. Ouais. Prends une partie de l'argent du terrain, là, tu investis. En 6 mois, tu auras récupéré ça. Et ceux qui ont acheté mes formations, vous savez que je cible tellement mes choses sur l'argent que quand tu me payes, je te dis tout que mon but, c'est que dès que tu me payes, je te donne maximum 1 mois pour que ton argent revienne. Je ne veux pas... Ça va faire comme si c'était devait. Mais j'ai payé la formation de la femme là. I don't want that one. Bon. La prochaine carte pour toi, ton ADN est en train de... Voilà, c'est ça. Toi-même, tu as te confirmé 5 ans, non? 5 ans. Tu es là depuis ça. Et ça te frustre, en fait. Ça te frustre. L'argent que tu devais investir pour aller acheter des choses en Turquie, là, pour venir déposer à la maison, tu ne connais pas vendre. Ça te frustre encore. C'est parce que pour vous, c'est inimaginable qu'on peut donner 1 million à quelqu'un pour qu'il vous apprenne à faire quelque chose. C'est ça votre problème. Hein? Je vais lui donner. En plus, vous allez dire, ça va encore l'enrichir. Et quand vous avez mon macabre parce qu'il est d'abord l'argent là. Oh my gosh! Elle est encore venue, la fille là. Non, la fille, s'il me plaît, c'est ma quota. Tu es ma quota de la fête. Bon. Pardon. Bon. Tu es une femme que tu as beaucoup de. Dans le monde spirituel, tu as de hautes responsabilités. Par exemple, je remercie le Seigneur que très vite dans ma vie, ils m'ont fait savoir que je ne peux pas m'amuser. Avant, je me prenais pour une petite fille. Je suis arrivé en Angleterre, je faisais le cleaning. Je nettoyais le sol. Et je me rappelle, il y avait une femme métisse là, c'était la manager de tout un bébé. Je travaillais à Baskerville House en Angleterre. Baskerville House, pas loin de la... à Birmingham, pas loin de la bibliothèque principale, centrale là. Baskerville House. Je travaillais là-bas 2 heures par jour. 17h, 19h. Et il y avait une manager là-bas, elle était... métisse. Manager métisse comme ça là. Très belle. Elle avait une petite Mercedes comme ça là, décapotable, 2 places. Elle avait un garçon, un fils. Mais tu sentais que c'était une femme indépendante. Je ne sais pas pourquoi elle est vue. J'étais encore en relation avec mon... J'avais pas encore d'enfant, bien sûr.
jour, c'est l'année là que j'ai conçu. J'étais encore avec lui, on était encore tout jeune, hein, j'avais quoi, 21 ans. Je sais pas, quand j'aurais la femme là, il y avait quelque chose en elle qui m'impressionnait. I wanted to be like her, you know. Et elle m'aimait beaucoup. Je me rappelle quand j'avais fait le premier passeport de ma fille, c'est elle qui avait signé. Parce que les déceptions, tu connais les déceptions, non. Tu cherches quelqu'un que, voilà, en Angleterre, pour le passeport de l'enfant, il faut quelqu'un qui va contre-sign. On dit contre-sign pour dire que bon, l'enfant qui est sur la photo, si c'est la vraie personne. Parce qu'on ne partait pas dans un bureau prendre les photos. On te demande de voir quelqu'un, peut-être un civil servant, quelqu'un qui t'a peut-être dans l'état ou bien un docteur. Et puis il signe la photo pour dire que cette personne qui est sur la photo est vraie, que c'est elle. Et tu envoies maintenant, on te donne ton passeport. Donc on ne vérifiait pas ce que tu viens dans un bureau pour faire. Donc c'est elle qui avait signé pour le premier passeport de ma fille. Elle m'aimait, je crois que la femme m'a m'aimé un peu, oui. Mais tu vois, quand tu vois une petite fille qui ne parle pas bien l'anglais, qui vient d'arriver, qui n'a pas, j'avais pas de credentials, you know, j'étais... Pourquoi je te raconte même tout ça, toi, hein? Pourquoi je te raconte tout ça? Mais bon, je continue, c'est intéressant, ça va. Je suis en train de faire son voice de lecture, hein. Je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais bon. Donc, je me rappelle quand j'étais à cette époque-là, je me voyais comme une petite femme. Like, you know, je viens d'arriver en Angleterre, je ne connais personne, je ne suis personne, je n'ai pas de diplôme. Et c'est dans une société où c'est les diplômes qui prônent beaucoup. C'est pour ça que vous êtes beaucoup frustrés en Europe. Parce que les diplômes, l'Allemagne alors c'est grave. Tu n'as pas de diplôme, tu n'es rien. On te tu travailles où, tu fais quoi, tu conduis quoi. Et j'avais rien de tout ça. Donc c'est avec le temps. Donc, les autres responsabilités que tu as, c'est-à-dire, il y a des personnes, tu vas les trouver. Et ces personnes viendront à toi d'ailleurs. Et tu vas les guérir. C'est fou parce que, malgré mon autorité spirituelle, j'ai toujours gardé tous mes amis. J'ai un ami en Turquie là. On se connaît depuis 2019, qui était encore dans mes trucs de folle là. Il était avec un de ses amis, il ne connaît pas que je suis sur les réseaux sociaux. Il était avec un de ses amis. L'ami la montre la part, il dit que j'aime la femme, c'est jusqu'à. Il faut être fait, m'appelle. Hey, je ne sais pas que tu es une star. Hein? On a commencé à clater des rires au téléphone. En fait, ta position spirituelle ne veut pas dire que tu perds qui tu es. Donc, tu peux être là, tu te simplifies alors que tu as réellement beaucoup de responsabilités spirituelles. Bonjour le roi James. Tu as vraiment des hautes responsabilités. Et les agents de lumière doivent prendre leur travail au sérieux. No big joke. No big joke. Tu viens dans ma vie, tu veux me distraire. Monsieur, madame, j'ai les gens que je dois aider. Point à la ligne. Tu comprends, non? And I feel like a Barbie. And I feel like I don't want a party. Je suis peut-être, je fais ma fête, mais tu vois un peu, je fais du shopping de temps en temps. Mais je suis consciente de ce que j'ai à faire. Écoutez, ce sont les critiques que j'ai eu beaucoup dans mes relations. Tu aimes trop tes gens, tu es. Écoutez, même mes enfants connaissent. J'étais ici là, ma fille a appelé tout à l'heure, non? Je lui ai dit que je suis en direct, mamie, pardon. Call later. I got things to do. J'ai des personnes ici là qui attendent ce qui va sortir de moi aujourd'hui. Donc, tes responsabilités, c'est pas la blague. Parce que un jour, j'ai entendu une phrase dans une des vidéos de quelqu'un en ligne. Et là, la personne disait, imagine, tu entres dans l'avion. Tu vois une bouteille de Jack Daniel. On entre de partir vers le cockpit avec. On dit que c'est pour le pilote. On dit que mais, le pilote va boire. Wow, oh my God, thank you so much. Je n'arrive pas à faire sans la mer. I can't do without the water. Pas faire sans l'eau, pourquoi? Ah, il vient de me parler.
vous assure, l'eau est arrivée ici. Là, j'ai vu l'image, le visage d'une femme. J'ai une décision très challenging que je suis en train de prendre. Et ils m'ont dit ça depuis 2 semaines. Je tourne. Et là, il vient encore de me dire que tu dois faire. Je tourne comme ça. Là, il dit que ouais. Elle dit non, fais-le. Vous savez, même moi, j'ai souvent peur de faire ce qu'on me dit. Hein. Oui, je vous dis souvent ça, non. Que vous serez... Vous allez être tenté de ne pas regarder mes vidéos. Hein. Vous ne dérangez même pas. Tu vas te réveiller un peu comme ça. Là. Ah, la reine, je suis là, elle exagère. Elle vous gronde chaque jour là-bas au téléphone. Ah, pardon. Ne pas même pas se la trouver. La voir là-bas. Que la femme la dérange. La femme la dérange. Elle va bavarder dans vos oreilles comme ça tous les jours. Ça ne vous dérange pas. Hein? Tu es la deuxième personne aujourd'hui qui me dit qu'elle a arrêté, elle avait arrêté de regarder mes vidéos. Bon, on a fait 20 minutes dans ton énergie, ma chérie. Allons voir les autres, s'il y a encore d'autres personnes. Congratulations, you have seen the glory of God. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Voilà, le matin, on me disait de vous parler de la dîme. Écoutez, hein. Ne blaguez pas avec vos dîmes. Ne blaguez pas avec vos dîmes. Quand l'ennemi va vous attaquer, hein, il va commencer par les finances. Ne salissez pas mon sac, s'il vous plaît. Regardez-les. Voilà mes choses là-bas. Ne blaguez pas avec votre dîme. La moisson est grande, oui. Et les vrais ouvriers, combien de personnes me contactent par jour et me disent que je me suis fait arnaquer. Oui. Certains vous contactent chaque fois que c'est la reine. Et vous avez dit que je ne vais pas courir derrière vous. I will not chase you. Tu imagines... What? What's that on my feet? Oh my gosh! Get off of me, come on. Les puces qu'il y a sur la plage là, vous connaissez les petites puces là, non? Donc, ils vont attaquer votre... J'ai précisé que je ne vous écrirai pas, je ne peux pas vous poursuivre, cacher mes kits. Tu prends quand? Tu payes quand? C'est pas moi. Je ne dirais pas à mes secrétaires de vous stresser non plus. Finalement, j'attendais que vous retirez. Donc, vous allez voir que vous aurez beaucoup de tentations qui étaient à côté de ma page. Et puis, vous aurez aussi l'envie parfois de ne pas payer votre dîme. Ne tombez pas dans ça. Je vous dis souvent que la dîme, c'est la base. Don't worry about me. I'ma be alright. I got the OD all over my life. Take my patience. I'm not worried. God's got me to the end. Where are you going? Huh? I am going to God is for me. We can be against me. Bon, je veux aussi quand même vous enlever une petite pensée de la tête. Parce que certains d'entre vous là, vous pensez que quand les ancêtres vous appellent, ils vont seulement vous fouetter. Ils vont seulement vous... Pardon. Souvent, je vois souvent certaines femmes me contactent que... Non, ils m'ont fouetté, hein. Ils m'ont fouetté. Ils ne fouettent pas les gens. They don't fouetter people. You get me? So stop saying, okay, vraiment, je me suis levé le matin. Regardez ce qu'ils ont fait sur mon corps. Ils ne font pas ça.
Vous suivez, non? Voilà. C'est vous-même qui vous faites du mal parce que vous n'obéissez pas. Vous ne faites pas ce qu'ils vous disent de faire. Et quand vous obéissez, vous allez voir. Don't worry about me. I'ma be alright. I go G-O-D all over my life. Don't worry about me, what I've been through. Don't worry about me. I got G-O-D. Ok, j'ai envie de crier. Bon, je vais faire ta carte, ma chérie. On va voir ce qu'ils disent. Première carte. Tu es un miracle. Il y a des choses qu'on a fait pour te bloquer que si tu connais, si on te dit, on te révèle, tu seras choqué que mais je suis encore en vie. Ce sont les gens qui sont partis pour te tuer qui savent. Toi-même, tu ne te connais pas. Tu es un miracle. Tu as la main du business. C'est pour ça que commerce... Je vais faire 10 cartes, tu m'enverras 20 000 francs. Je vais même 10 000, je vais augmenter encore le prix de mes trucs. Mes prix vont augmenter. Oh. Donc si vous avez quelque chose à acheter, achetez. Dans 3-4 jours maximum, mes prix vont augmenter. Moi, je vous dis, je préviens seulement en avance. Vous savez que moi, je parle toujours un peu comme ça là. Oh, ne salissez pas mon sac, je vous en prie. Merci. Merci de me mouiller. Mouillez-moi, il n'y a pas de problème. Donc, tu es le mouton noir de la famille. Tu es le mouton noir de la famille. Et tu as les pouvoirs de chaman aussi. Tu as, deuxième carte, la même chose. Tu as les pouvoirs. Tu peux voir. Et tu dis que tu l'as fait dans le coaching. C'est toi qui es toujours... Tu doutes beaucoup de toi. Et tu as aussi traversé beaucoup de périodes de dépression. En quelque sorte, c'était ton test. Tes guides me disent de te dire que c'était un test pour toi. Get off me, monsieur. Ne marche plus sur moi. C'est quoi? Tu me vois comme une femme qui peut avoir les puces. Même si c'est des puces blanches, j'en veux pas. I don't want it. Come on. Thank you. Oh, thank you. Thank you for the heart. Thank you for the flowers. J'aime beaucoup les trucs des filles qui font. Elles reçoivent l'argent dans les directs en faisant les... En fait, j'aime le caractère robotique qu'elles font. Ça me plaît beaucoup. Thank you. Smells good. Bon, je continue. Je t'assure que si tu mouilles mon sac, Maëlys, je vais te trouver. J'ai déposé mon sac ici là. Ne l'écoutez pas. Bon, il y a le burn-out. Ma chérie, tu as été un peu épuisée. Parce que leur but, c'était de t'épuiser d'ailleurs. On me dit de te dire que tu dois apprendre comment utiliser tes dons à la maison. Tu dois travailler de la maison. My God. La formation que je suis en train de vous parler de ça depuis là. Tu as des dons de savant. Connexion aux astres, aux ancêtres. Tu es une guérisseuse. Oh my God. Ça ne révèle que tes pouvoirs. Hein. Et il y aura le jugement sur tes ennemis. Il y a une période où les gens qui t'ont fait du mal vont beaucoup souffrir. Beaucoup même. Et c'est cette période-là. Certains vont même t'appeler pour s'excuser. Don't worry about me. Il y a beaucoup d'événements imprévus qui t'ont aussi... C'était des distractions. Même la maladie de l'enfant, par exemple, que tu subis actuellement. C'est des distractions. Parce que tu as de grandes choses qui sont en train de se passer dans le spirituel. Voilà. Il ne faut pas te laisser distraire. Une dernière carte. Ton troisième œil est en train de s'éveiller. Ton troisième œil. God's got me to the end. Woo! Oh my God, j'ai envie de faire la fête. Oh my God. Je suis en train de crier ici à la plage. Alors qu'il n'y a personne qui me pique. Take my patience.
Ah, quand je gronde Maëlys, ta fille croit que c'est elle que je gronde. Ouais. Oh, il me faut ça, James. James, il me faut la Vierge Marie noire, là, s'il te plaît. J'ai eu l'idée de ça l'autre jour, quand j'étais avec un ami, mais j'ai oublié. Bon, je suppose que tu as payé pour une lecture, c'est ça? Donc, pour les lectures, vous avez déjà mon numéro. Donc, lisez en, écrivez-moi en inbox. Vous faites le paiement. Ça, vous faites le virement sur PayPal. Oui, oui, la reine, tant que je viens de lire, là. Oui, tu dois absolument te... je dois te former. Prends la formation là pour te mettre à ton compte. Je sais aussi que tu as beaucoup de self-sabotage. Donc, je ne sais pas si tu vas pouvoir le faire. God's got me to the end. Wow. Hey. Oh. Manas gang. Bon, pour ceux qui demandent pour la formation, là, j'ai dit que il y a une formation pour, qui va coûter 1 500 €. Il y a plein de programmes que j'ai enregistrés déjà. C'est pour vous permettre de vous lancer sur les réseaux sociaux. Donc, je prendrai juste un réseau social, c'est-à-dire TikTok. Je vais vous coacher sur TikTok. Je pense qu'avec mes 230 000 abonnés, j'ai quand même déjà le droit de vous dire que je peux vous montrer comment TikTok fonctionne. Voilà. I can show you now. Donc, le but, ce ne sera pas seulement que tu aies les abonnés, mais... que tu passes ça une source de revenus. Ok? This is amateur hour, guys. What else do we got? Our Barbie toy line, you know, is blowing up right now. No fucking shit, Denise. That's not what I'm looking for. I just got in touch with a local funeral home. They said they sponsor us. Make Barbie-sized coffins. See, Denise, that's the kind of ingenuity we're looking for. Head change is called We Can Dye All the Animals Pink. There's also, there's a crypto company that wants to sponsor us. Denise, you stupid bitch. Barbie doesn't use crypto. All cash, baby. Guys, this isn't enough. This isn't... What else do we got? We're already with, you know, nail polish, jewelry, shoes. This is so funny. Ok, j'ai 230 000 abonnés sur TikTok. Voilà. Donc, mon but avec cette formation, c'est de vous aider à pouvoir... Je suis à la plage de Léomba, ma chérie. Je te trouverai quand tu vas arriver à l'hôtel, tu me fais signe, ok? Je rentre à l'hôtel tout de suite. And I feel like a Barbie. And I feel like I don't want to party. Sors de mes pieds là. Bon, je cherche les gens qui ont payé la lecture. Ok. On va lire une deuxième personne. Pour ta lecture. Ok. Oh my gosh, tu as des hautes responsabilités dans le spirituel. Et tu es aussi une femme de l'eau. Oui, je vous ai annoncé brièvement qu'on va faire les baptêmes le 1er septembre. Donc, ceux qui veulent se baptiser, vous allez devoir nous contacter. On fera les baptêmes. Tu es en plein éveil, donc il faut que tu te réveilles, ma chérie. Et il y a aussi le jugement qui est en train d'arriver sur tes ennemis.
certaines personnes vont carrément mourir. Les personnes qui t'avaient fait du mal. Et quand ils vont mourir, on te dira que c'était à cause de toi. Voilà. Et aussi, ta vision est en train de se perfectionner. Ta vision se perfectionne. Tu travailles aussi avec le soleil. Tu es une fille du soleil. Tu es une fille du soleil. Il faut t'exposer aux rayons du soleil aujourd'hui. Mon collier te plaît. Voici comment je me suis habillée pour aller aujourd'hui à la plage. Voilà mes bijoux. Il y a ça. Ça. Oh, j'aime beaucoup. I like it. Bon, est-ce que vous avez des questions avant qu'on ferme le direct? Parce que il y a quelqu'un qui doit venir pour que je travaille sur elle là. J'ai lu tout le monde qui a payé, j'espère. Et une personne ici là, on me dit de te dire de ne pas t'inquiéter. J'ai regardé ma photo ce matin, je me suis dit, waouh, j'ai changé hein. Moi, quand je voyais une femme comme moi avant, là, dans la rue, je disais que, oh my gosh, elle est bizarre, cette femme. Oh, voilà, dedans, maintenant. Jusqu'à... Que yin. Oh, yo, non. Je suis que dedans. Je suis dedans que bien. Et que ça me laisse. Est-ce que ça me laisse? Ah, yeah. Ah, faut jamais dire jamais dans la vie, vraiment. Jamais. Never say never. Never say never. Never say never. You never know. Pendentif bleu, si c'est disponible à Douala. On a un stock limité, je pense. On a un stock limité. Ça, c'est le pendentif contre le mauvais œil. Les prochains sacrifices... le prochain sacrifice, c'est... On est dimanche. Je pense que ce sera mardi. Est-ce qu'il y a une femme qui voulait... Mardi. Ouais. Si c'est pas mardi, ce sera dimanche prochain. Mais n'attendez pas, hein, vraiment. Si tu veux faire ton sacrifice, tu payes. Putain, avec vos trucs là. Mon pote Jano dit que je suis devenue trop belle. Tu connais aussi Jano, hein? Et... Il y a les gens que avant on parlait. Maintenant, là, même pour se connecter, là, c'est compliqué. Même si c'est écrit, hein, je dis qu'on parle à 10h. À 10h, là, il y a un truc qui va se passer. Ma connexion va finir ou un truc comme ça, là. Bon, je veux vous exhorter à mûrir spirituellement parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes encore dans la phase où on doit vous pousser. On va vous pousser. If we have to force you to do something, leave it. Parce que dans le spirituel, tout ce qu'on te force à faire, everything that you're forced to do is not good. Si on te force pour que tu fasses des offrandes, laisse. Si on te force pour que tu laisses, ne fais pas. Bon. Quand j'étais à la maison, ils m'ont dit ceci. Il y en a parmi vous, il y a des personnes parmi vous, vous voulez semer pour quelque chose. Parce que normalement, à la fin du chêne, on devait faire une offrande. Mais j'ai pas fait le direct pour ça. Donc, vous pouvez faire une semence d'action de grâce. Donc, pour remercier le Seigneur de vous avoir permis de faire ces 40 jours. Ou vous pouvez faire une semence de new beginning. Ok?
genre, c'est pour relancer ma vie. Voilà. Donc, je recommence les choses à zéro, quelque chose dans le genre. Ok? Donc, ne l'oubliez pas. Donc, je vais prier pour bénir toutes les offrandes qui ont été faites pendant le jeûne. Donc, Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je viens bénir chaque femme, chaque homme qui a donné. Je déclare que tout ce qui a été donné, tout ce qui a été semé, tout ce qui a été dit pendant que ces personnes semaient, ne sera pas perdu au nom de Jésus. Je viens fortifier ces personnes. Je viens restaurer ces personnes. Je déclare sur elles qu'elles ne manqueront pas. Je déclare qu'aucune arme forgée contre elles ne prospérera. Je viens vous protéger contre toute attaque maléfique. Je déclare que vos anges gardiens vont s'activer autour de vous. Je déclare que vos idées financières, idées d'investissement vont accroître. Je déclare aussi que vous recevez les personnes qui vont venir investir en vous. Tu vas trouver ton business angel. Quelqu'un va venir te trouver et puis il va investir sur toi. Il va te trouver, il va vraiment, ma fille, voilà, prends. Il faut quoi? Il dit ma fille, hein, pas le genre de ma fille qui après te demande de venir dans l'hôtel prendre de l'argent. Non. J'appelle les personnes qui vont croire en vous, les personnes qui vont vous booster. Ces personnes-là qu'elles vous localisent. Je déclare que vous êtes libéré de tout blocage familial. Tout blocage familial dans lequel tu t'es retrouvé saturé, coincé. Je t'en libère au nom de Jésus. Voilà. J'augmente votre beauté. J'augmente votre beauté. Là, on va beaucoup te complimenter les jours qui viennent là. J'augmente votre beauté. Qu'elle soit inégalée. Bon, les 240 euros que vous avez envoyés, c'est pourquoi? Les 240 euros, c'est pourquoi? C'est ma secrétaire qui regardera sur WhatsApp, là, madame. Bon, je vous prends après le direct. Je ne vais pas vous mentir que les 40 jours-ci, là, m'ont fait passer à une autre dimension. En l'espace de 3 jours. J'ai trouvé 3 locaux dans 3 pays différents. Et ça ne vient pas avec la dépendance qu'il y avait avant. Maintenant, il y a aussi quelqu'un ici là que pendant ce jeûne, on t'a donné des idées. Ils me disent de te dire que ces idées que tu as reçues, même si ce sont les mêmes idées qui avaient été attaquées avant, quand tu as fait ça échouer, tu ne dois pas t'empêcher de relancer encore ces idées-là. Voilà. Tu dois agir. Et puis vous savez quoi? Vos jaloux, vos décepticons ne peuvent que vous voir qu'à la télé. Bonne journée.